D'enfouissement technique qu'on va visiter. C'est le plus gros en opération présentement au Canada. Il n'y en a pas de plus gros. Pourquoi? Ben, on est le seul présent sur le territoire de la CMM, donc Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal-Laval, il n'y en a pas d'autres. On reçoit près de 40%, pas tout à fait, mais près de 40% des déchets du Grand Montréal. À Toronto, sur les envois au Michigan, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de. C'est un peu plus gros que nous autres, mais peut-être s'ils ont fait plus d'efforts pour réduire aussi les déchets ultimes. Je vais vous expliquer le déroulement de la visite. Donc, c'est un lieu d'enfouissement technique, donc un lieu, un endroit d'enfouissement où on enterre, et le mot technique, c'est posé où on va surveiller pendant au moins 30 ans chacun des objets jetés à la poubelle. C'est ça le rôle des gens ici, pour minimiser les impacts sur l'environnement. Donc, à chaque année, je reçois environ 150 visites au site, puis plus du 90% des visites sont pratiquement inodores, mais à l'occasion, ça arrive qu'on a des visites qui peuvent être un petit peu plus parfumées. Ça peut arriver. On va voir le centre de valorisation des gaz, un endroit où depuis plus de 20 ans, on produit de l'énergie électrique à partir des biogaz, le gaz de décomposition des déchets. Et depuis un an et demi, on a la plus grosse usine de production de gaz naturel à partir des déchets en Amérique, juste ici à Terrebonne. C'est un projet qui fonctionne très très bien. On en parle, on va aller voir l'usine depuis maintenant. Vous avez remarqué, si je peux prendre Charlemagne dans les mains pour une pièce de casse-tête et le superposer, ben, c'est pratiquement la même grosseur, même que le site d'Antumain est un peu plus gros qu'un village d'environ 3000 habitants. Donc c'est considérable aussi. Dans cette forêt-là, il y a des cerfs de Virginie, entre les chevreuils, des renards, des mouffettes, des marmottes, des castors, des ratons laveurs. Les déchets, ça se décompose et un sac à ordures pendant au moins 25 ans va générer des biogaz. C'est le temps que ça prend pour se décomposer dans un site d'enfouissement. Toutes les matières organiques, en absence d'oxygène dans un site d'enfouissement, vont produire une grande quantité de biogaz qui est composé à 58% de méthane, un gaz inodore, environ 41% de gaz carbonique, un autre gaz inodore. Ça va bien, plus de 99% du gaz est inodore, mais il y a moins d'1% là-dedans, il y a du soufre d'hydrogène, c'est l'odeur. Puis on sait qu'il y en a qui ont plus de soufre d'hydrogène que d'autres, donc ça peut sentir l'hiver, en forêt en Virginie. Mais le reste de l'année, nous autres, on 10 mois par année, on fait de la fauconnerie. Donc, à une certaine époque, on peut avoir facilement des 4-5 000 goélands en même temps sur le site. Ah. Cette semaine, quand même, il y en avait quand même pas mal. Il y en avait peut-être 200-300 certaines journées. Mais c'est rare qu'on dépasse ça depuis plusieurs années, des fois 300-400 quelques jours dans l'année. Mais il y a facilement 250 jours dans l'année qu'on voit environ zéro goéland. C'est très, très rare d'en voir ici. Pourquoi il y a des gens qui prennent la décision de payer pour voir goéland? Oui. Parce qu'ils ont l'impression qu'il est meilleur. Ils ont l'impression qu'il est meilleur. Est-ce qu'il est meilleur? Non. Souvent, on le trouve meilleur parce qu'on l'aime au frigo, elle est froide. L'eau, plus qu'elle est froide, plus qu'on l'aime. Mais de ce côté-là, la silane en automne est chaude, elle est vraiment pas bonne. Est-ce qu'elle est meilleure pour la santé? Non. Moi, je trouve que je bois beaucoup d'eau, je fais beaucoup de sport. Puis, on va voir pourquoi les gens achètent de l'eau. Il y a des familles qui dépensent plus de 1 000 $ par année. L'expression que j'aime beaucoup entendre, que je trouve un peu triste, c'est quand j'entends des gens dire hey, tout coûte cher aujourd'hui. Hein? C'est vrai que tout coûte cher. Hein? Ben oui, mais c'est sûr, si tu veux tout acheter, ben c'est vraiment étrange qu'on achète plus d'un milliard de petites bouteilles comme ça au Québec. Plus de la moitié sont jetées à la poubelle, on n'a pas mis au recyclage. Mais encore une fois, c'est transporté par camion. Il y a un camion qui roule à transporter des bouteilles d'eau pendant qu'il y a la COVID qui l'amène du pétrole. Les camions descendent, vident chaque journée de déchets. On continue comme ça. Les camions roulent sur les déchets, montent. Tantôt, on va aller à cette hauteur-là. Recule, vide les déchets, on les pousse, on les écrase et pendant la journée, on les enterre. On va continuer jusqu'à une épaisseur de 40 mètres en suivant des pentes d'écoulement. Tout le long du processus, c'est les puits de captage de biogaz horizontaux. Ici, dans 5 ans après qu'on ait mis le dernier cycle de production, on décide de. On fait payer pour disparaître. Bien, il y a déjà un montant de plus de 10 millions de dollars qui est déjà déposé, un montant en fiducie qui pourrait être repris par le. Gouvernement, puis donner à quelqu'un d'autre pour faire le suivi, si aussi il jugeait que le suivi n'était pas bien fait ici. Donc, pour pas que le gouvernement se retrouve comme dans les anciens dépôts, investir plusieurs milliers de dollars, ça se fait que le site ne soit pas trop dérangeant pour l'environnement.
bâtiments dans la région de Montréal, il y en a 5. Il y a nous ici, à 50 km en s'en allant vers Trois-Rivières, il y a celui de Saint-Thomas-de-Berthier. Il y en a un à Sainte-Sophie, à côté de Saint-Jérôme, puis il y en a un autre à La Chute. Donc 4 sur la rive nord de Montréal, aucun à Laval, aucun à Montréal. Sur la rive sud, il y en a un important, c'est près de Drummondville. Qu'est-ce qu'on voit? Des fois, je vais vous demander de remonter des fenêtres d'un côté de l'autobus, à cause, pas à cause de l'odeur. Même si on remonte toutes les fenêtres puis ça pue dehors, ça va plus dans l'autobus. Mais à cause du bruit puis de la poussière. Comme là, c'est sûr que le bruit vient un petit peu plus de ce côté-là. Si vous entendez mal mes explications, ben remontez la fenêtre à côté de vous. Quand le camion passe entre les deux poteaux, même si le camion est plus bas, plus haut, c'est très très sensible cet appareil-là. Ça va détecter la radioactivité. Ça va la quantifier. Ça va dire qu'il y en a dedans. Donc, il y a un message qui est dans l'ordinateur, une alerte qui dit qu'il y a des déchets radioactifs. Le camion va l'attendre sur le côté, un technicien va y aller. Les premières années que je travaillais ici, en passant, ça fait bientôt 18 ans que je travaille ici. Les premières années que je travaillais ici, des fois, je donnais un coup de main à ce niveau-là. On prend l'appareil, on fait le tour du camion, puis on va localiser la source radioactive. On pèse un petit bouton, puis après 50 secondes, ça nous dit quel est le produit qu'on retrouve à l'intérieur. Nous, on a le droit d'enfouir des déchets radioactifs de moins de 65 jours de demi-vie, puis qui viennent un produit utilisé dans les hôpitaux. 65 jours de demi-vie. Si c'est pas un produit utilisé dans les hôpitaux, puis il y a plus que 65 jours de demi-vie, comme du radium, je crois la demi-vie c'est 1200 ans. On n'est pas sorti du bois si le on met ça dans le bois. C'est environ 27 $ la tonne d'enfouissement, mais à ça s'ajoute la redevance environnementale TPS et VQ, donc ça revient peut-être. Ça va varier les prix peut-être entre 70 $ la tonne à 93 $ au total. Donc les voyeurs des cages à oiseaux, on voit des buses. On voit un faucon, une autre espèce de faucon ici, et surtout Audrey qui va vous présenter son travail. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Les photos, si vous voulez, vous les prenez comme une fois à la fin, vous rapprocherez de l'oiseau. Donc, comme vous l'a dit André, je suis officier de gestion de la faune pour services environnementaux faucon depuis maintenant 3 ans sur site d'enfouissement CEP. En fait, un officier de gestion de la faune, on est des techniciens qui cherchent à comprendre et à contrôler la présence de certains animaux nuisibles sur site d'enfouissement. Il faut savoir que les principaux animaux nuisibles que l'on a sur le site d'enfouissement, ils proviennent, ce sont les goélands, ils proviennent de l'île des Lauriers. Donc cette île, elle est située à 8 km d'ici. Et en période de nidification, donc ce qu'on a actuellement, on va compter jusqu'à 50 000 couples de goélands avec certains sur cette île. Donc nous, en fait, on travaille sur le site d'enfouissement pour 3 raisons particulières. La première et la principale d'entre elles, c'est pour garantir la qualité de vie des gens qui habitent le voisinage. En fait, si on a beaucoup de goélands qui font tous les jours le même trajet entre l'île des Lauriers et le front de déchets, ça va créer ce qu'on appelle un corridor aérien que les goélands vont emprunter à tous les jours. S'ils empruntent tous les jours le même trajet entre l'île des Lauriers et le front de déchets, ils vont passer au-dessus des mêmes véhicules et des mêmes habitations à tous les jours, sachant que les fientes des oiseaux étant très acides, ils vont endommager les biens des riverains. Les riverains seraient mécontents et porteraient plainte contre eux. On a beaucoup de goélands qui sont en vol au-dessus de nous. Ça va les faire rapprocher de notre véhicule et quand ils sont assez proches, on va tirer de la pyrotechnie. Les goélands vont avoir peur et quitter le front de déchets. L'autre méthode qui utilise du bruit, c'est le camion à propane. Lui, il est en permanence sur le front de déchets et on va l'utiliser quand on a beaucoup de goélands qui sont au sol autour de nous. On va le déclencher à distance, ça va libérer un gros bruit sourd. Les goélands, quand ils vont écouter ce bruit sourd, ils vont commencer de décoller. Quand ils commencent de décoller, on continue ça avec la pyrotechnie. Ils vont avoir peur et quitter le front des déchets. Et la dernière des méthodes, à votre avis, qu'on utilise pour effaroucher les goélands, c'est quoi? Ben, les faucons. Les faucons tels que Wallace, qui est un faucon pèlerin, ou Nomad, qui est un faucon hybride, ou alors les bus de Harris que vous voyez derrière moi. En fait, on utilise ces deux types d'oiseaux de proie parce que ce sont des prédateurs naturels des goélands et en plus, ils ont des méthodes de chasse différentes. Les faucons, comme Wallace et Nomad, vont s'attaquer aux goélands quand ils sont majoritairement en vol. Après, un pistolet de départ. Donc, si j'en ai un ici, un petit pistolet de départ pour mettre le feu à la fusée. L'auban, c'est la balle crépitante. Celle-là, sur une distance de 50 mètres, ça va faire un drôle de bruit. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un bruit qui fait peur aux goélands. Environ 3 ans, c'est très très rare qu'on perçoive des odeurs à côté d'une plateforme de compostage de résidus verts. Une de nos problématiques ici, c'est que les citoyens continuent à mettre les sacs de feuilles mortes dans des sacs en plastique. Il y a des villes, entre autres Beaconsfield, qu'eux, on oblige les citoyens à déposer dans des sacs en papier. Le sac de papier devient du compost. Le sac en papier fait que le compost que tu as en bout de ligne est de première qualité. Mais ici, la plupart des villes ne font pas vraiment de sensibilisation à ce niveau-là. Moi, j'en fais le bel citoyen. C'est une machine
qu'on va retirer mécaniquement les sacs de plastique, ce qui a enlevé plus de 90% du sac de plastique dans nos tas. Donc, ce qui est quand même pas rien, mais qui fait qu'à la toute fin, il reste quand même malgré tout un peu moins de 10% du plastique qui reste dans le compost, qui donne un compost correct, qui est quand même bien. Le compost, il est bien, mais il y a quand même du plastique dedans. Temps, 10% du temps, le gaz est valorisé au... Les gens ne sont pas visités. Comme je vous disais, on reçoit souvent les médias. Moi, chaque année, c'est une dizaine de fois, tu sais, Radio-Canada, Télé-Québec, documentaire. Les Échos. Puis, ben, tu sais, pour que les gens puissent voir aussi, parce qu'on veut pas. Oui, c'est intéressant. Les compétiteurs, je vous le font pas. Va-t'en un petit peu plus par là. Mais dégagez juste ici, la zone ici, là. Va-t'en mettre dans le milieu, là. Comme je disais, regardez, le camion, lui, arrose avec l'agent neutralisant pour deux choses. Pour abattre la poussière, les endroits où les camions roulent beaucoup. Et également, il y a de l'agent neutralisant dedans, donc il va arroser. Ça va minimiser les odeurs. La guérite. Monte en haut ici, recule au front de l'échelle. La zone de déversement est ici, à votre droite. Le camion vide. Une fois que le camion a vidé son chargement, le camion s'éloigne. Il va aller derrière ici, c'est l'âge de nettoyage. Il est vide, il referme la boîte, retourne être pesé vide et retourne poursuivre sa collecte. Il y a des camions qui vont venir 3, 4, 5 fois par jour, tout dépendant du type de collecte et de l'endroit où on commence. La scolaire, elle pèse 10 tonnes, 5 fois plus lourd. C'est un véhicule qui vaut environ 1 million de dollars quand même. Très puissant. Il va pousser, répandre les déchets au sol, rouler par-dessus pour les broyer, les briser, les aplatir. Une fois qu'il est avancé, reculé dessus, il leur montre que viens ici, reste ici autant que tu veux, mais on ne te laissera jamais manger. Puis après un bout de temps, le goéland finit par comprendre. Selon, on les déplace dans le sens contraire du vent quand il y a beaucoup de vent. Là, le vent il est pratiquement nul. Ça empêche les déchets de s'envoler, donc on recouvre moins qu'il y en a à l'air, moins qu'il y a d'odeur, moins qu'il y a d'espace pour les animaux pour se nourrir, moins qu'il y a de goélands qui passent, moins qu'il y a de déchets qui s'envolent. Et également, ça permet au camion de rouler, parce qu'il roulait directement en autobus ou en camion de déchets dans les déchets directement, ben, on aurait tout le temps des problèmes de crevaison ou transporter des déchets à l'extérieur. Ça ne sera jamais parfait, mais le fait qu'on est 500 mètres plus loin, on est rendu à pratiquement zéro bruit. Puis les odeurs pourraient diminuer facilement. Donc, on essaie de faire des petites différences qui sont faciles, puis ça, c'est facile. Éviter l'achat de bouteilles d'eau, du verre à café, puis du sac de plastique. Hein. Regardez les sacs de plastique, il y en a partout. Même ça, c'est une chose qui a été beaucoup, beaucoup réduite en Occident, les sacs de plastique, mais encore, il y en a encore beaucoup trop. Donc, puis il y a beaucoup de choses qui auraient pu être réutilisées, hein. Les palettes de bois, on a vu des vêtements, des meubles, plusieurs. On en voit souvent des choses ici que. Sont vidés dans le site, puis c'est des choses qui sont encore bonnes. Si je vais aller rapidement, parce que tout le monde est là, je vais aller rapidement dans le fond, parce que l'usine est arrêtée. On brûle dans les torcheurs et à la centralité qu'on produit de l'électricité, mais pour de l'entretien particulier, aujourd'hui, pendant quelques heures, l'usine est arrêtée. Vous voyez, il y a cette série de compresseurs, c'est des compresseurs à l'œuvre. Dans le fond, c'est eux qui aspirent le gaz et qui vont comprimer le gaz dans cette usine-là. Absolument, on ne peut pas être ici la porte ouverte. Parce que c'est trop de bruit. Il y a de l'eau qui coule d'en haut, le gaz monte, puis on va nettoyer, faire prendre une douche au gaz. Vous allez vous l'expliquer en dedans, c'est le plus simple, j'ai une maquette. Donc, juste vous montrer le système, c'est cette série la de ce système-là. La première grande tour, c'est la douche, l'eau coule, le gaz monte. À l'intérieur, il y a des balles comme ça pour favoriser les contacts entre l'eau et le gaz. Le gaz donc, va se faufiler dans les balles, il y a des millions de balles comme ça et l'eau coule. Et il y a une température, une pression qui est favorable pour que l'eau va absorber qu'est-ce qui n'est pas du méthane. La seule chose que l'eau n'absorbe pas, c'est le méthane. Donc le méthane lui passe à travers le système, va aller derrière ici. Ici, on a une autre, la deuxième tour, ça récupère encore un petit peu de méthane, ça enlève des petites parties qui ont réussi à se faufiler. Et ici, c'est là qu'on change la température et la pression, puis l'eau va relâcher le gaz pour l'envoyer dans la cheminée pour la détruire à l'extérieur. Comme ça, on peut réutiliser la même eau qui va refaire le circuler. Donc, c'est une centrale quand même qui est de ce côté-là très, très verte du fait qu'on gaspille pas non plus. Laser a fait qu'il y a une compagnie de TQM, de compression de gaz, qui s'est installée ici. Ça doit faire TQM, ça doit faire 18 ans, ça, là, 20 ans? Pas loin? Non. Ah, ben plus, 15 ans. 15 ans. OK, 15 ans. Donc, longtemps quand même avant qu'on projette de faire du gaz qui était là. Donc, on a juste eu à faire une petite conduite de 400-500 mètres de long, injectée dans le pipeline, puis c'est envoyé dans le système qui appartient en partie à Gaz Métropolitain. On sait maintenant presque tout sur ce qu'il advient de nos déchets domestiques.